Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo. Ça faisait une éternité que j'en avais pas tourné, je sais pas, peut-être un an, 9 mois, ça faisait très longtemps parce que j'avais plus le temps simplement. Ma vie de famille, ma fille surtout me demande beaucoup de temps, elle est petite encore, elle a 2 ans et demi, et du coup j'ai un peu dû faire une croix sur mes activités parallèles, le temps qu'elle grandisse, de l'accompagner, de lui donner la confiance en elle, etc. Bref, on n'est pas là pour parler que de maternité. Mais voilà, j'avoue que ça fait quelques temps que ça me manque de ne plus partager de vidéos avec vous, de ne plus avoir cette proximité avec vous. J'ai envie de reprendre mes vidéos, je suis en train de me reprendre aussi sur mon blog. Alors, mon blog, ça fait depuis le début de l'année que je le reprends avec à peu près un avis par semaine. Sauf durant le confinement, ça a été un petit peu creux et je crois qu'il y a un mois où j'avais rien, quasiment rien publié. Mais je me rends compte déjà que le blog, ça devient surtout un vrai journal de lecture parce que j'ai quasiment plus de visibilité dessus, je vais pas vous le cacher, hein, je dois avoir 30 personnes qui viennent voir, viennent lire mes articles, malgré mes partages sur Instagram, Twitter et Facebook. Mais je pense que c'est commun à beaucoup de gens. Je suis retournée un petit peu sur Livre Addict les derniers temps. Alors je fais une petite digression, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais c'est mes pensées actuelles. Donc je suis revenue sur Livre Addict pour regarder un peu les avis des autres gens sur les livres que je chroniquais, pour leur laisser des commentaires suite à la publication du mien. Et je me rends compte notamment sur des blogs que moi je connais depuis des années, que je suis depuis des années, qui n'ont pas non plus de commentaires. Donc je me dis que c'est vraiment quelque chose qui se tourne. Aujourd'hui on est sur des réseaux sociaux qui vont très vite comme Instagram, Twitter, TikTok, enfin tous ces médias là, ou Twitch aussi qui prend pas mal le devant sur la scène avec des directs, avec une interaction en direct en public. Mais il faut avoir le temps, la possibilité de trouver des créneaux pour donner rendez-vous aux viewers. Bref, voilà, je sais que le blog c'est plutôt une fin en soi, mais j'essaie de le garder vraiment comme un journal de mémoire, un journal de lecture qui me permet de me souvenir de mes avis. Et c'est pour ça aussi que je spoil un petit peu dans mes avis sur mon blog, mais en général je le préviens. Bref, j'ai très envie de vous retrouver en vidéo parce que tout simplement vous me manquez, l'échange, les échanges par rapport à la littérature me manquent et j'ai besoin de recréer un lien avec vous parce que c'est pas toujours drôle de ne pas pouvoir partager ses avis de lecture avec personne, surtout quand on lit pas trop la même chose avec ses collègues ou avec, les gens avec qui je vis. Donc voilà, du coup je me suis dit allez, je vais essayer. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne peux pas vous promettre une vidéo par semaine par exemple, tout simplement parce que j'ai pas un débit de fifou chez moi, c'est très très long pour uploader, je suis encore sous un ADSL de merde, pour pas dire d'autres mots. On attend la fibre qu'on nous avait promis en 2017 lorsqu'on a emménagé, 2018, et le problème c'est que le déploiement ne se fera pas, normalement c'est prévu 2020, mais avec le confinement je sais vraiment pas comment ça va se passer. Donc je pense que je vais quand même essayer de faire une petite série de vidéos en amont pour pouvoir quand même en poster régulièrement, mais je peux pas vous donner de régularité. J'espère que vous serez quand même au rendez-vous et que voilà, vous me laisserez des petits commentaires de votre passage. Alors, juste avant de commencer le book haul, puisque c'est avec ça que je vais vous retrouver comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai des problèmes d'anxiété depuis notamment la fin du confinement. Je suis quelqu'un de très anxieuse et très angoissée à la base et en fait j'ai beaucoup de problèmes pour respirer, pour trouver mon souffle. Donc dans cette vidéo, vu que je vais pas trop faire de cut, ne vous inquiétez pas si vous me voyez à un moment m'arrêter pour voilà, pour me reprendre mon souffle. Je n'ai pas envie de faire de coupure, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis quand même des années, qui s'est amplifié là depuis quelques semaines, et je pense que c'est le bon moment aussi pour moi qui suis en train de faire un travail psychologique pour mieux m'accepter, de m'assumer face caméra et de vous laisser voir aussi mes faiblesses tout simplement et ma fragilité. Bref, on attaque tout de suite pour le book haul. Alors, après le confinement, comme beaucoup d'entre vous, je l'espère, j'ai voulu soutenir les petits libraires indépendants pour éviter qu'ils fassent faillite. Et en septembre l'année dernière, on était parti à Crémieux dans l'Isère pour la fête médiévale. Et on avait découvert qu'il y avait une petite librairie qui venait de s'installer, qui s'appelle De Cap et d'Épée. Je vous mettrai le lien si vous êtes du coin en barre d'infos. Donc Crémieux pour info, c'est dans l'Isère comme je viens de vous le dire, et c'est à peu près 30-40 minutes de loin. C'est une petite cité médiévale très charmante avec des jolies halles et puis plein de petites boutiques atypiques où il fait bon gré de se promener. Je suis allée là-bas, on a bien discuté avec le libraire, c'était super cool. Au début j'allais prendre trois gros romans
Et au moment de l'achat, en fait, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. On a parlé d'autre chose et il a su vraiment trouver ce qu'il me fallait. Donc bref, le premier livre, rien à voir, c'est La pépite imaginaire des moutons électriques. Donc Le chant des cavalières de Jeanne Mariem Corrèz, publié cette année au prix de 21 €. C'est un roman féminin, féministe, où on va suivre un ordre de femmes qui chevauchent des dragons. Je suis vraiment très curieuse de voir... la construction du récit, le point de vue et comment elle va mettre les femmes en avant dans cette histoire. Où seront les hommes? Est-ce qu'ils auront un rôle équitable ou pas? Voilà, je suis plutôt curieuse. La couverture est signée Melchior Ascaride. Et c'est un très très joli roman comme d'habitude avec les moutons. Là-dessus, ils ont toujours un travail éditorial magnifique. Ensuite, au moment de payer, donc j'avais pris d'autres livres, mais j'étais un petit peu partagée, j'étais pas totalement convaincue, et je me disais, ah, c'est dommage, il y avait le roman de Clément Boulier quand même qui m'intéressait, mais je sais plus pourquoi je l'ai pas pris, qui s'appelait Déterré, je crois, qui racontait un univers post-apo avec un peu une magie qui avait l'air d'être présente. Et en fait, quand j'ai lu le pitch, ça m'a rappelé Les Enfants de Picwood de Rod Marty, qui fut pour moi une découverte, une révélation. Et j'ai pitché le livre au libraire qu'il ne connaissait pas. Il m'a dit, mais si vous aimez bien tout ce qui est magie, Bayou, Navarro, etc., je peux vous recommander deux livres. Donc, le premier, il s'agit de La Piste des Éclairs, c'est le 6e monde, le tome 1, je ne sais pas combien de tomes il y a. Il a reçu des prix, le prix Locus, le prix Hugo, le prix... Il a reçu le prix Locus, mais il a été nominé au prix Hugo, au prix Nebula et au World Fantasy, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est écrit par Rebecca Rowan Horse et publié chez Milady en semi-format, en semi-poche. Voilà, là c'est parce que je parle vite. Et on est en pleine magie Navarro dans un univers donc amérindien. La couverture est top. Ça rappelle, je me demande si c'est pas un coyote d'ailleurs. Il m'a dit si vous aimez bien les univers de Mercy Thompson. Et je lui ai dit, bah, on peut pas mieux tomber puisqu'en fait Mercy Thompson et Alpha et Omega, donc c'est la saga spin-off de Patricia Briggs. Je me suis fait 4 tomes en tout au mois d'avril. Je suis replongée complètement dedans, j'avais très très envie de loup-garou et de magie, et donc c'était bien tombé. Donc quand il m'a dit Mercy Thompson, j'ai dit bon bah allez hop, je le prends d'office, c'est clair et net. Je sais pas trop combien il y a de tomes de prévu pour l'instant, on verra. Si vous connaissez, dites-le moi dans les commentaires, je suis assez curieuse d'avoir votre avis. Et ensuite, pareil, il a tapé bam, dans le mille, il m'a dit ah, j'ai aussi ça qui pourrait vous plaire. Midnight Texas de Charlène Harris. Alors c'est un roman qui est sorti, on est d'accord, il y a quelques années. Charlène Harris, j'ai surkiffé La Communauté du Sud, hein, aka True Blood. J'ai surkiffé Les Mystères de Harper Connelly en 5 tomes, 4 tomes, 4 tomes ? Eh oui, c'est ça. Par contre, je n'avais pas lu ses autres sagas, Lily Bard et Aurora Tigerden, que j'ai très envie de lire parce que franchement, j'adore. En fait, Charlène Harris, je vous l'ai toujours dit quand je vous parlais d'elle en vidéo ou dans le blog, j'adore ces personnages et ces univers. En fait, j'ai l'impression de retourner dans un univers un peu cocon, un milieu dans lequel je suis bien, voilà, j'ai l'impression de retrouver un peu des copains et tout, même si je les connais pas, je pense que ça va être pareil, on est dans un univers surnaturel avec des sorcières, avec certainement des fantômes. En tout cas, la couverture m'y fait penser, je suis très curieuse. C'est une série en 3 tomes et mon libraire donc de Crémieux m'a déjà commandé le tome 2 et 3 que je pourrais récupérer la prochaine fois que j'irai à Crémieux. Ensuite, j'ai couru après le dernier roman de Suzanne Collins. Donc le libraire de Crémieux ne les avait pas encore reçus, il les avait 2 jours après, donc c'était fort dommage. Ensuite, je suis partie dans une librairie presse vers chez moi, il n'avait pas eu beaucoup de stock, il s'est fait dévaliser. Donc, au niveau de mon passage à la librairie presse, bah, j'ai aussi voulu le soutenir, et puis en plus, en passant devant les poches, le livre de Nine m'a tendu les bras comme ça, en disant « Hélène, prends-moi !» Et j'ai dit « Ah oui, le pacte des mains !» Allez hop, je l'embarque, ça me faisait aussi un petit livre de poche pour soutenir cette maison de presse librairie, même si je pense que c'est la librairie maison de presse locale, donc ils ont pas mal de passages, ils ont un petit bureau de tabac, ils ont beaucoup de papeterie et la presse, donc je pense pas que ce soit eux les plus lésés par rapport au confinement. Je pense qu'ils sont même restés ouverts par rapport à la presse et au bureau de tabac. Donc voilà, mais c'est pas grave, ça me faisait soutenir un petit commerce local, ce qui est quand même aussi important. Je ne sais pas si je dois vous présenter le pacte d'Emma. Il est sorti il y a déjà quelques années, il a eu beaucoup de succès. On va suivre Emma qui est une jeune femme quand même, je vous raconte vite fait, qui a une maladie incurable,
qui va quand même être embauché dans des bureaux à New York et qui va rencontrer son patron, qui est quelqu'un de très charismatique et de très puissant, qui s'appelle Andrew et qui apparemment s'avère être un vampire. Enfin, eh ben, j'ai trouvé mon livre de Suzanne Collins après avoir fait encore, après la maison de presse, deux supermarchés. Je suis très heureuse de l'avoir entre les mains. Il s'agit de La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, publié chez PKJ. Je le voulais absolument. Pareil, je vous présente vite fait si jamais vous êtes un petit peu pas trop branché sur l'actualité. C'est le préquel de Hunger Games. Ça se passe 64 ans avant, au moment où Snow devient en fait mentor du jeu et où il va être amené à être mentor du district 12. Donc le fameux district qui a beaucoup 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 pâti des Hunger Games. Je suis très curieuse de le voir parce que j'ai très envie de voir Snow à l'époque, comment il était, comment s'est développé son caractère, son charisme, son antagonisme également. Et puis de découvrir un petit peu le milieu 64 ans avant qui a fortement dû changer. Donc je suis vraiment contente de l'avoir et je pense qu'il sera lu au courant du mois de juin, je l'espère. Voilà, donc pour le book haul, c'est tout, je m'arrête là. Dans ma tête, en fait, j'aimerais reprendre aussi des vidéos. Alors, ce sera pas que de la littérature forcément, parce que j'ai envie de vous parler de choses peut-être un peu plus personnelles. J'ai envie de vous parler de certains aspects de la maternité, de la parentalité, sans faire des grosses vidéos, parce que je suis pas une sub... Enfin, voilà, c'est vraiment par rapport à mon ressenti sur certains thèmes. J'ai aussi peut-être envie de sauter le pas et de me lancer dans un combat, peut-être avec vous. Pour l'instant, je ne suis pas encore prête pour en parler parce que je suis en train de faire un travail mental là-dessus pour accepter et ne pas avoir honte de mon corps, tout simplement, c'est très compliqué. Donc je lis des livres pour me permettre d'avancer dans ma tête, voilà. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire déjà depuis des années et je n'ose pas. Et je suis très admirative de personnes qui le font sur les réseaux sociaux et qui se font soutenir par leur communauté. Et je me dis que... Voilà, si je continue mon travail de développement personnel, peut-être que ça pourrait être chouette d'être accompagnée avec vous pour ce combat et cette reconstruction que je dois faire. Je vous en reparlerai si j'arrive à le faire ou pas. Donc ne m'en voulez pas si je m'étale pas plus aujourd'hui, mais je vous dis c'est quelque chose qui est quand même encore très difficile pour moi à assumer et à parler et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo book haul vous aura plu. J'espère vous retrouver très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec les romans que vous avez achetés post-confinement. Est-ce que vous êtes allé chez des libraires indépendants ou pas? Voilà, je serais très curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao !